troisième au milieu normalement. Ok. Faut toujours enlever celui qui a la partie lisse, pas celui qui a la lèvre. Ce sera plus dur d'enlever ça que ça. D'accord. Enlever la partie lisse là. Et après là, on peut facilement tourner. Et là, il y en a un troisième ou il tient avec... Un troisième au milieu. Je vois au milieu là-bas. Ah ok, au niveau de la ligne. Là-bas, ouais. D'accord. Et là, là comme tu... ça tient ça, là, ça coupé, tout il va descendre. Ok. Donc tu démontes pas le pot, tu démontes pas le... Si, à terre, tu le... Ah, une fois que c'est à terre. Bon, on peut faire là, hein, c'est pareil. Bah, fais comme ça t'arrange. Hein. Oui, du long toujours. Du normal, il ne fera pas parce que c'est vite dedans. Ah ouais. C'est là l'astuce, c'est pour ouvrir le collier. Un comme ça, un comme ça, et on pince les deux. Et au collier, tu déchires pas les doigts. Okay. Voilà comment effectuer la dépose d'un pot d'échappement avec Carbons. Bienvenue chez General Auto. Avec 30 ans d'expérience et ses deux sites, Sainte-Clotilde et Saint-Louis, General Auto met tout en œuvre pour vous satisfaire. General Auto, c'est de la pièce de réemploi de qualité de 20 à 50% du prix du neuf et de la pièce neuve de remplacement. Tout pour réparer votre véhicule à un prix raisonnable. La dépollution et le démantèlement des épaves est réalisé dans le respect des lois et de l'environnement par une équipe de professionnels opérant dans les règles de l'art.